pitié avec moi. Quoi que quoi encore? Je t'ai parlé de quoi hier? Oh. Je t'ai dit que ma situation ne va pas maintenant. Je t'ai dit ça hier. Pourquoi tu reviens encore avec le sujet là maintenant à Tango? Ça fait combien de temps que nous sommes ensemble? Oh, Nge Akone Mentini. C'est le foirage qui avait rendu le dos du Mbunga tordu. On a fait 5 ans ensemble. Ma petite soeur, elle a rencontré son gars 1 an seulement. Et le gars s'est battu à venir l'épouser. Toi, depuis 5 ans que nous sommes ensemble, je ne te sais qu'à faire le ménage, faire la lessive et tout ça. Si tu veux une ménager, pourquoi tu ne recrutes pas une? Comment toi tu es même comme ça? Toi tu es toujours en train de parler, ta petite soeur est montée, tes camarades sont partis, celui-ci est monté, celui-ci est descendu. Toi tu me sais à quoi dans la maison c'est à Tango? Tu travailles quoi? Tu me sais à quoi? Franchement, tu te plains, tu veux te marier quand même. Donc tu veux m'épuiser comme ça pour me jeter après? Épuiser comment? En tout cas, ton problème, c'est quoi? Je veux le mariage. Mariage? Oui. Mais vous êtes toujours en train de parler de mariage, mariage. You think that is easy? Ce n'est pas facile. Je me tue. Ce n'est pas facile. Ok. Si c'est le mariage que tu veux, voici donc ma décision. Bien commun. Mais évidemment, tu pensais que ça devait être quoi? Je pensais que tu n'as rien compris. Attends un peu, je n'ai rien compris, ça signifie quoi? Bon, viens m'expliquer ça. Viens quand même, je pense que tu n'as rien compris. Tu ne bouges pas d'ici, viens m'expliquer ça. C'est bien commun. Bien commun signifie quoi? Mais ça veut dire que quoi? Bien commun dans l'organisation du mariage. Donc si je comprends bien, je vais venir chez toi t'épouser. Mais tu voudrais que ça se passe comment? Le mariage c'est vice versa, ça veut dire que je donne ma part, tu donnes ta part. 50-50, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est moi qui... Mais comment? Tu vois que finalement même les derniers vont se marier avant moi. Ça ne se passe plus comme ça ma chérie. Tu pensais que quoi? Franchement, quand même tu pensais souvent que quoi? Donc quand vous parlez du mariage, c'est donc c'est l'homme qui doit s'occuper de ta robe de mariée. C'est l'homme qui doit payer la dot. C'est l'homme qui va payer la mairie. Finalement, tout ça là, ça monte sur ma tête. Tu vois que je ramasse l'argent là. Donc, tu donnes ta part, je donne ma part, 50-50%. Je vais donner ma part, 50%, et tu vas m'épouser. Je vais mettre un programme sur terre. On va s'arranger. Et je te préviens encore, après le mariage là, ça veut dire que c'est ce que j'ai acheté, l'écran plat, tu vas acheter les meubles. Si j'ai acheté le tapis, tu vas acheter le congélateur. C'est comme ça que ça va se passer. Ça ne se passe plus comme ça. Tu m'aides alors, quoi? C'est comme ça que ça se passe. Vu qu'on se facile marie. Pour moi. C'est mais facile pour moi. C'est quoi cette histoire? Toutes les filles de ce quartier vont se marier, même les laides filles. Je suis toujours là. Voilà, mais on me dit même que je n'ai pas de crédit. Tu là, tu me racontes quoi? Et c'est mon problème si tu n'as pas le crédit. C'est moi qui te mets dans le crédit. C'est facile pour moi. Chaque jour. Je ne peux pas porter tout ça sur la tête, moi seul. Karim Bia, on m'a dit qu'à. C'est toi qui vas faire mon bonheur, comme tu me vois là. Tu me vois assis là comme ça, je ne faisais que penser à toi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner 120 000 francs. Mais tu vas me faire un reçu de 800 000 pour que je puisse montrer à madame à la maison. Tu sais que les femmes sont toujours un genre. Il y a les femmes qui ont quand même la chance ici dehors. Moi, pour vivre avec un homme, il faut que c'est moi qui paye le mariage. Mon type me demande de payer le mariage. Tu te rends compte? J'ai envie de montrer à la femme c'est que je suis l'homme. Que je suis quand même capable. Non, n'oublie pas que tu as une dette en vrai moi. Je vais le montrer.
Le deal, c'est que tout ce que tu as à faire, c'est de surfacturer tout ce que tu vas utiliser pour le mariage là. Il va voir. Là, c'est un peu petit. Tu dis bien que c'est un mariage. Donc, ce que tu m'en as fait là, c'est trop. C'est trop. Ah, car. Tout ce que je veux, c'est que le type là pense que j'ai co-contribué. Toi, tu penses qu'il fait tout ça pour rien. Parce que là, je suis risquant. Hein. Parce que là, si ça endemme là-bas, ça retombe sur moi. Même Thomas, il n'a pas compris que la nourriture est petite, d'autres n'ont pas mangé, ça retombe sur moi. Tu finis de gérer, après il va gérer avec lui, après le mariage, lui, okay. Il va voir. S'il arrive que le mariage n'a pas lieu, ou il y a un problème, tout ira bien. C'est mon mariage, c'est moi le marié et c'est moi qui organise. Il n'y a pas de problème. Oui, ce n'est pas un argent que j'ai encaissé. N'oublie pas que tu es en train de prendre un risque. Non, t'entends bonheur. Tu es mon frère. Voilà. Tu es mon frère, c'est une faveur que je te demande. Je n'ai pas d'argent, mais je vais te payer tes 120 000 francs. Ça, c'est cash. Le travail. Ça, hein? Et dans tout ça, me donne encore mon grand-mère pour négocier. Donc, ça ne va même pas. Donc, ce qui fait que je sais pas ce qui m'arrive devant la famille. Tu vas avoir ta part dedans. Il ne peut pas t'appeler et puis il te laisse comme ça. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il pense que nous, j'ai co-contribué. L'argent qu'il va donner là, on va gérer. Hmm? Là, on va gérer ça après. Et pour la salle, alors maintenant, tu fais comment? Ah, pour tes filles. Je sais qu'elles sont très vaillantes, elles vont gérer. Je les ai vues à l'œuvre, non? Quand elles servent là, soit un poulet, soit un porc, on ne mélange pas, pas deux morceaux. Pas plus d'un morceau. Gaton, tu sais comment tu peux gérer ça? Il veut me montrer qu'il réfléchit, non? Je vais lui montrer que ma part de cerveau là, ça court quatre fois plus vite que pour lui. Franchement, il faut que je lui montre la montre. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que quoi? Quand tu me vois là, ce n'est qu'à toi que je peux me calmer. Ça va, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne sais pas. On va alors, je te fais le chèque. Hein? Okay. Tu es quand même un frère. Ça fait quand même longtemps. Ça fait... Oui, allô, grand. Gars, il dit que je cherchais à te contacter depuis là même. Et qu'il y a un du business, mon frère. En passant, quand le gars de LV Master là, il dit le gars c'est un boutou comme mon frère. C'est un gars est venu à la piole me voir que, gars, pour le web du mariage. Il dit le gars est tellement bête et c'est un web de 4 millions. Donc, mince, gars. Et c'est un web qu'on doit manger. Mon frère, il ne faut pas dire ça. J'aime même que tu sois là. Il dit tellement le gars est bête qu'il laisse, il se laisse emballer par Sanga. Mais moi. Oh. Qui est un boutou? Moi, je suis Mboutoukou. Mais vous parlez même de quoi là? Qui est Mboutoukou par rapport à quoi? C'est parce que tu parles là. Quoi? Non, c'est un... Tu parlais de moi? Non, frappez qui moi? Raconte-moi vite. Pardon. Tu es avec moi? Pardon, grand frère. Tu es avec moi? Tu me connais? Non, grand frère. On se connaît? Raconte-moi. À Tango de Wey, ça dit quoi, non? Oh, toujours belle là. J'adore ça. Sexy. Désormais, je suis une femme mariée dans ce quartier. Mariée? LW Master. Tu as combien? J'ai quelque chose pour toi. Tu as combien? J'ai quelque chose. Ah! LW Master veut te tromper. Attends un peu. Me tromper moi. LW Master. Laisse que je te dis. Je vois que vous les petits voyous de ce quartier, quand vous ne voulez pas vous responsabiliser, vous amenez votre malchance là sur tout le monde. Je suis voyou à Tango. Je parle de ton mari. Frappez qui moi? Non, c'est votre femme, grand frère. Ce n'est pas moi, c'est votre femme. Raconte-moi tout. C'était 4 bâtons, grand frère. Elle m'a demandé de faire un tour de 4 bâtons pour son mariage. Et la frappe sort d'où? Elle m'a demandé de manger. Donc, c'est votre deal que vous aviez fait ensemble. Non. Les factures de qui? LW Master. Moi? Tu sais que tu es une belle fille, non? Je sais. Alors, on peut gérer ça autrement. Même si c'est autrement, non, je vais gérer. Voilà. Enfin, tu comprends.
Ça va se passer où et comment? Des cons qui disent si je te gère une fois. Vas-y, parle. Je ne parle même pas. Vois toi-même. Il a signé un bon. Attends un peu. C'est quoi ça? Master n'a pas osé me... C'est quoi ça? Voilà, tu comprends maintenant. Il y a encore quelque chose d'autre en dehors que quand tu vas me gérer là avant que je te dise. Laisse d'abord. Master peut me frapper. Laisse d'abord. Ce que tu vois. C'est... Aïe! Merde! Vous... Porte quoi? Vous avez complété... Quoi? Touche-moi! Qui te touche, tu vas faire quoi? Tu voulais me cramper, non? C'est moi que tu appelles Mutuku? C'est moi que tu appelles Mutuku? Touche-moi! Hein? C'est moi que tu appelles Mutuku? Touche-moi! Avec tout ce que j'étais là à faire dans le taxi! Touche-moi! Avec tout ce que j'étais là à faire, tu m'appelles Mutuku? N'avance pas! Tu veux blaguer avec moi? N'avance pas! Je t'ai déjà dit ça! Tu veux me tester? N'avance pas! Tu veux blaguer avec moi? Hein? Je vais te finir dans le taxi! Tu t'en fous, un sorcier! Vampire! Tu vois mon doigt? Regarde mon doigt! N'avance pas! Tu vas me croquer, non? Tu vas me faire quoi? Tu t'en fous, un sorcier! N'avance pas! Tu vas me faire quoi? Tu es malade dans ta tête! Vampire toi-même! Tu t'es arrangé comment avec le service traiteur? Tu as négocié combien avec le photographe? Vous êtes arrangé avec le photographe? Tu vas me faire quoi? N'avance pas! Combien j'ai dépensé? Tu vas me mentir! Tu connais combien j'ai dépensé? Ça t'a raté! N'avance plus! Attends, tu vas voir ce que je vais te faire!